Hello la compagnie. Il est 10, non, 9h moins le quart, nous sommes lundi, bah donc 1er juin. Ça y est, on est en juin 2020. Il fait un temps magnifique, exceptionnel. Il va encore faire très 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 chaud aujourd'hui. Je crois que les températures d'été comme ça vont continuer un petit moment, enfin un petit moment. Au moins quelques jours dans la semaine, je crois. Donc voilà. Donc c'est bien cool. Même de bon matin là en débardeur, ça le fait. Hein. Ça le fait. Voilà. Oh, ça fait du bien. Puis je viens prendre ma douche, alors j'ai chaud. Donc voilà, c'est parti pour une petite journée. Voilà. Comme d'habitude, programme du jour bonjour, on ne sait pas. C'est vrai que les fleurs là, elles sont. Trop belle quoi, j'arrête pas de le dire, mais et les guêpes et elles sont contentes là, ça butine de ouf, de fou, j'adore. Donc voilà, je sais pas ce qu'on va faire aujourd'hui. C'est vrai que je vais pas retourner me promener côté du lac, et c'est vrai que le soir, j'y pense des fois soit en fin d'après-midi, soit après manger, enfin, genre vers 8h30, un truc comme ça, 8h30, 9h, à la fraîche, aller se promener autour du lac, ça peut être sympa. Et je ne le fais pas parce que je fais d'autres trucs, voilà, mais c'est vrai que ça pourrait être cool. Alors en journée aussi, mais comme on est en plein cagnard, c'est, voilà, il fait chaud et puis bref. Mais si j'avais vraiment envie, je le ferais, mais... Donc voilà, donc c'était juste pour faire une petite introduction. Et ben, je reprends dans la journée selon ce qu'on fait ou pas. Je reprends, il est midi moins le quart, j'ai traîné à fond ce matin, c'était très très bien. Je profite de mon dernier jour de repos. Ce midi, donc toujours, on est toujours dans les salades du jardin. Hein. Ça ne change pas, on a des milliards. Et ce sera des brochettes. Donc des vraies brochettes que David a faites, enfin des vraies brochettes. Poulet et du bœuf, voilà. Celles de poulet ont été marinées dans du l'huile d'olive, curry, curcuma, tout ça, voilà. Avec des oignons. Et les brochettes de bœuf sont nature avec des oignons et des un petit... comment ça s'appelle? Un petit truc moulin 3 baies, là, vous savez. Mélange 5 baies, même. Enfin bref, donc on va se régaler et il y aura aussi des pommes de terre comme d'habitude. Donc voilà, ça va être bien cool, franchement, ça va être bien cool quoi. On va se régaler, on va manger tout à l'heure. Voilà, on va tirer le store pour avoir bien frais. Enfin, je prépare le plateau de la... On va mettre la table. David a découvert la piscine pour qu'elle chauffe. Il y a un petit peu de vent encore. Mais bon, ça va faire du bien. Ça va faire du bien. Allez, tout à l'heure. Allez, je vais mettre la table. J'ai faim. On mange super bien le midi avec ses barbecues. Je suis fan, ça fait 2 mois, 3 mois qu'on mange du barbecue, mais bon, on essaie de varier quand même. On essaie de varier. On n'a pas encore fait de magret de canard, c'est super bon le magret de canard au barbecue. Hop, voilà. C'est cool. Hop. C'est vraiment la belle vie quoi. Vraiment la belle vie. Contre-jour. Donc c'est cool, c'est cool, c'est cool. Mon Dieu. Je kiffe. Je surkiffe ma vie en ce moment. Je surkiffe ma vie. Petit vent là qui fait du bien. Oui, mais ouais. Bon, on va bientôt manger, mais j'aurais bien été me promener près de l'étang et faire un live.
Peut-être faire un live sur Insta. Bon, de toute façon, quand vous verrez ça, ce sera passé des belles heurettes. 2 jours, moins. Mais sinon, c'est cool, quoi. C'est trop cool. Je vous dis, hein, je me sens trop en vacances, en fait. Trop en vacances. Bah, tant mieux, hein. Et je pars dans un mois et demi. 48 jours, comme ça. J'ai commencé à faire ma liste, après j'ai fait ma valise. Ça va être génial, j'ai hâte de faire la valise. Je squatte. Pour moi les vacances, c'est tellement un... Enfin, le fait de partir. Comme un espèce d'aboutissement, vous voyez. De récompense, un peu. De récompense. Vraiment. Pourtant, je suis bien chez moi. Hein. C'est... Mais je sais pas, ça m'a toujours. Enfin, je pense que tout le monde aime les vacances, tout le monde aime partir et que. Voilà, on n'a peut-être pas tous cette chance, forcément. Mais ouais. Moi, c'est mon gros kiff, quoi. Mon gros kiff, bref. Il est 16h20. Non. 16h30, je dis 20. L'épisode piscine a eu lieu, donc je vous ai pas refilmé hein, pour pas vous saouler, mais même si je vous saoule peut-être quand même. Lalilala. Donc voilà, on a bien profité de la piscine, il fait vraiment très très chaud, donc c'était vraiment fort agréable. Il y a une serviette qu'on s'est pas servi, donc je vais la ranger. Du coup, comme on se baigne tous les jours et que... Nous les serviettes, elles sont rangées là-haut, mais... Donc du coup, j'ai tout mis dans... Une petite boîte qui est trop belle. Une boîte comme ça là. New York, machin, truc. La crème solaire, il y a les casquettes, les serviettes et tout. Les maillots de bain, tout est en bas dans, en vrac. Enfin en vrac. À dispo comme ça, voilà. Donc là, c'est en train de sécher hein, les maillots de bain. Sur des chaises. Comme là, enfin bref, par là, bref. En train de sécher. Bon, ça sèche très très vite. Hein. Donc ça c'est cool. Une bonne chose de faite. Alors ça cogne assez sévère. Bref, je pense que je vais aller me faire un petit tour. David a l'air très motivé, mais je crois qu'il est où, il est où dans le garage. Donc on s'est baigné encore tous les trois. C'était cool. Alexis est parti prendre sa douche. Je crois qu'il parlait avec le voisin, avec un voisin. Mais non. Non, c'est les voisins qui boivent un coup dehors. Je pense que ouais, je vais me faire un petit tour auprès de mon lac. Bon, je vais crever ma... je vais crever de chaud. Mais voilà, ça va quand même être agréable, je pense. Je devrais y aller plus tard, hein, clairement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Pour être plus à la fraîche, mais j'ai pas envie de rester là, j'ai envie d'aller me promener et j'ai pas envie de prendre la voiture pour aller ailleurs, donc je refaire le lac et je pense que clairement je vais canner quoi, de chaud, mais je vais prendre ma casquette, mes petits Gercon avec, enfin, c'est la casquette d'Alexis parce que moi j'en ai que des, oula, que des je vais attacher les cheveux peut-être. Bref, que des vieilles toutes pas belles. Je vais attacher les cheveux. Puis je vais y aller. Je vais boire un coup. Ouais, non, je vais prendre ma bouteille d'eau. Alors je vais pas partir des heures, mais même si je pars pas longtemps, j'aime autant avoir de l'eau. Parce que si j'ai soif, je vais être dégoûtée. Comme un ninja. Comme un ninja. Bref, je vais pas tarder. C'est vraiment une touche. De nul. J'aurais dû me prendre une casquette Adidas comme celle que j'ai achetée à Alexis. Bon, on s'en fout, je suis pas un défilé de mode, mais j'ai vraiment l'air de, je sais pas quoi, de rien en fait. Allez, c'est parti pour le show. Et voilà, c'est parti. On kiki. Ah, ça quand même bien, il y a des petits moments où il y a du vent et
là tu kiffes. J'aurais peut-être dû, me mettre de la crème, mais bon. Soyons fous, soyons fous. J'ai un peu honte de me présenter comme ça devant vous, mais écoutez, il faut vraiment que je protège ma tête. J'avais pas envie de mettre mon chapeau. Ça fait trop longtemps que, enfin trop longtemps, que je suis pas allé au petit lac. Petit étang. Ça va être cool. Je vais te faire un live, ouais. Mais Insta, je pense. Le vent. Le vent. C'est parti pour le show. C'est génial. Génial. David, il avait pas envie de... Je lui ai proposé de venir... Je lui ai même proposé qu'on aille faire un tour en forêt. Mais voilà, il était pas motivé, il avait des trucs à faire, donc... Écoutez... Je suis parti seul. Mais c'est agréable aussi. C'est agréable. N'empêche que depuis le confinement, là, depuis le 17 mars, ça fait quand même presque... Enfin, ça fait 2 mois et demi qu'on vit tous les trois quasiment non-stop ensemble, quoi. À part ces petits moments-là. Bon, comme je vous dis, hein, on est dans des pièces séparées et on n'est pas à plaindre. Hein. Mais c'est fou, quoi. C'est fou, on l'a jamais fait, en fait. Never. Oh mon dieu. Je sais pas qui a eu cette idée d'aller se balader à cette heure-là. C'était une mauvaise idée. Mais en même temps, une bonne idée. Parce que c'est agréable. Bref. Gros tracteur. Parce qu'en fait, là, il y a un chemin, là, qui va tout là-bas, qui passe tout derrière, qui rejoint la forêt tout derrière. Enfin, vous voyez pas, parce que c'est trop loin. Et c'est une balade super agréable. Donc je vais rejoindre mon étang. Pour l'instant il n'y a personne là. Je marche là parce que je suis à l'ombre. Donc là-bas c'est au soleil. Et que je vais bientôt y être au soleil. Je vais voir si je peux me poser quelque part pour faire le live ou alors en marchant, je vais voir. C'est génial! Ça se trouve, quand je vais revenir, j'aurai encore envie de me baigner. Je pourrais aller là, mais tout à l'ombre. Mais moi, je suis une folle, j'ai envie de voir mon état. Et de cramer des épaules. C'est agréable le soleil. En fait là c'est assez génial avec le vent. Pas, je vais marcher après, mais voilà, j'emmagasine de l'ombre. Vous entendez le bruit des canards? Ils sont tout fous, hyper trop beau. Du coup, je pense que le vlog, bah, je clôturerai chez moi, mais là, je pense que je vais m'arrêter parce que je vais sûrement me mettre en live sur Insta.
D'ailleurs, sur Insta, d'après ce que j'ai compris, on peut plus remettre les lives en replay. On peut juste les mettre en IGTV. En IGTV. Ouais. Oh yeah, en IGTV. D'après ce que j'ai compris, ils peuvent revenir au même, je sais pas. Ils ont font un bordel là. C'est trop beau. J'adore. On va plus tard. Bon, je suis rentrée. J'ai eu très très chaud. J'ai fait un petit live sur Instagram, quelques stories, de ci, de là. Et j'ai eu très très chaud. Mais c'est pas étonnant. C'était vraiment normal d'avoir très très chaud. Donc je suis contente d'être rentrée à la fraîche. Du coup, je pense que je vais aller... je suis déjà devant, mais monter ce vlog, on va voir ce que ça donne. J'ai encore pas d'idée de titre. Donc il va falloir que je me réécoute pour trouver un titre ou un truc cohérent, enfin bref, ou pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.